c'est Screamer Joe Gaming. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais faire une vidéo sur Forsaken World. Je vais vous montrer comment on crée un personnage et vous faire découvrir ce jeu comme moi je l'ai découvert hier et aujourd'hui. Ça joue super bien, c'est un MMORPG. Je vais dans créer pour créer un personnage. Et là vous avez le choix entre mâle et femelle. Et humain, il y a humain guerrier, humain assassin, humain mage, humain prêtre. Dans les elfes, il y a elfe guerrier, elfe prêtre, barde prêtre, rôdeur prêtre et ce tunnel prêtre. Dans les nains, il y a le fusilleur. Chez les bretons, il y a le gardien des bretons. Les kindred, c'est les mi-humains, mi-vampires, on va dire. C'est les genres de. Des mecs du fin fond des ténèbres. Il y a les assassins, les mages, les vampires, les faucheurs. Lycan, c'est mi-humain, mi-loup. Du coup, il y a l'assassin et il y a le forge. Le faucheur. Dans les. Il y a aussi la classe démon. Il y a tourmenteur et il y a le rôdeur. Il y a la version mâle et la version femelle. La version femelle, ça doit être ça. C'est pour les filles ou pour les garçons. Voilà. Là de femelle assassin, mage, vampire, faucheur. Il y a le nain femelle, il y a les elfes femelles, guerrier, barde, rôdeur. Voilà. Humain femelle, il y a pareil, guerrier, assassin, mage, prêtre. Chaque classe a des difficultés de maîtrise. Il y a 5, 2, 3. Les trucs sont classés entre 3 étoiles et 5 étoiles. Plus il y a d'étoiles, plus c'est compliqué à maîtriser. 5 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles. Ça c'est 4 étoiles. Ça c'est 3 étoiles. Ça c'est 5 étoiles. 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Ça c'est 5 étoiles, 5 étoiles, ça, 4 étoiles, 5 et 4 étoiles aussi. Bon, je vais tester un nouveau, nouvelle race, c'est qui a déjà créé deux personnages. Je vais faire une elfe, allez, une elfe... Rôdeur, allez, un elfe rôdeur. Alors, vous pouvez personnaliser votre rôdeur, votre personnage. Voilà. Voilà, le visage fin et long. Là, vous pouvez mettre des tatouages sur sa tronche. Voilà. Là, vous pouvez changer sa peau. Vous pouvez la mettre blanc, métis, ou noir. Voilà. Là, il y a les cheveux. Voilà, vous pouvez mettre les cheveux bruns, blonds ou autres, voilà. Fini. Là, vous êtes obligé de mettre ça, c'est pour les constellations. Commencer. Chargement court. Et voilà, alors là c'est les constellations, le staff niveau 1 dès le début.
mes règles. Voilà, hop. Bon, alors ça c'est le personnage, ça c'est les points d'XP, tout ça, ça c'est la constellation, ça l'icône là en haut à droite, il y a le personnage, voilà, avec son raccourci, et C, le sac CP, tac, là c'est les compétences, les talents, les métiers, là c'est les quêtes, là c'est les familiers, là c'est les groupes, là c'est les amis. Guide, métier, calendrier, shopper, échange de cadeaux, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F10. Là, c'est les quêtes. Là, c'est les sorts. Là, c'est l'ulti. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, en bas à gauche, il y a le chat. En bas à droite, il y a la boussole. Et vous pouvez vous déplacer avec la souris ou avec le clavier. Là, je vais me déplacer avec la souris. Et là, je récupère la récompense du jour. Et je vais dans les paramètres. Paramètres ici. Hop. Appliquer, continuer. Voilà, c'est plus simple pour moi. Hop, hop. Personnage est trop stylé comme ça en bleu avec l'arc bleu, je trouve ça trop bien. Alors, hop, ouh, le saut trop stylé. Alors, ils disent que j'ai une nouvelle compétence, c'est la flèche explosif. Ça fait mal. Je peux récolter plusieurs trucs dans un endroit, d'accord. J'espère que vous m'entendez bien, que je bug pas et tout ça. Vous pouvez avoir une monture à partir du niveau 8-9. C'est un monde où toutes les races peuvent se rejoindre. Hein. Chaque race a son monde. Ça c'est les flèches normales, les flèches automatiques. Et après là c'est les trois sorts, trois compétences. Donc ça donne mon personnage. Buter des centaures. Ah, j'ai une nouvelle compétence. Nerve fantôme. Je vais voir c'est quoi. On va tester les sorts. Ouh, c'est la one shot. C'est un honneur, merci. Hop. Ça, c'est la boîte à mon R. Ah, nouvelle compétence.
Non, oui, non, c'est améliorer ma compétence. D'accord, merci. Maintenant, il faut que je bats le boss. Il y a le boss qui est là. Boum. Boum. Presque one shot. Je suis niveau 7. De l'avoir soigné et sauvé des mentors affichés. Voilà. Donc, ils m'ont donné le vin de feu et de glace pour passer au village de puits de feuilles. Puits de feuilles, on arrêtera la vidéo. Je ferai l'épisode 1 juste après. Peut-être pas ce soir, mais un autre jour. Je pense que cette vidéo-là va être publiée demain ou ce soir. Et demain ou après-demain, il y aura l'épisode 1. Ne vous inquiétez pas. Le chef. Par contre, sur les quêtes, si vous ne savez pas où c'est, afficher, clic droit afficher et vous cliquez sur la personne que vous voulez chercher. Une petite douche dans l'eau, voilà. C'est la chef de puits de feuilles, elle est pas mal. Non, j'ai pas dit au revoir, j'ai dit à consulter. Voilà. Ma livraison, hein. Vous êtes passé niveau suivant, niveau 8. C'est plutôt rapide les XP ici. Allez, je vous dis au revoir pour la fin de cette vidéo sur Forsaken World. Ça, c'est l'application Arc qui permet d'installer et de jouer à ce jeu. Après là, dès que vous avez cliqué sur jouer, vous allez afficher ça, vous faites jouer et ça vous met le jeu. Il y a écrit téléchargement et après vous faites le téléchargement, il y aura le téléchargement avec la mise à jour et voilà. Bon, là j'ai mon outro qui va arriver. J'espère que la vidéo va vous plaire. Allez, tchuss!